Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bonjour à vous qui nous suivez de partout, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes comme ça en France, vous êtes également en Belgique, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kananga, vous êtes à Lubumbashi, alors vous êtes partout dans le monde à nous suivre, alors je pense qu'aujourd'hui on va essayer de parler des actualités à la une, et puis je suis toujours avec mon confrère, avec Yedne Torulubela, actualité à la une, alors Nabanziete, Ponako Wini Sangonga, Napisi, Nalombangomingi, bonjour monsieur Amo Bilolo. Bonjour Chava Kitoko. Boni boni santé. Kitoko Makas. Dans ce pays. Alors, Lelo Torulubela, parce que lobby vendredi, le 22, il y aura plénière dans l'Assemblée nationale à 10h. Et puis, vous avez la question à chaque député, à sa déclaration sur son appartenance, soit à Tikalina majorité, soit à opter pour la majorité, soit à quelle opposition. Pour la Yomouni Boni, Bélébo Tikalina majorité, Bélébo quelle opposition pour la Yomouni Boni. Le choix est clair. Ah, d'abord, tu reviens à la majorité, tu es opposition. D'accord. La minute où tant que nous tenions sur la déclaration dans le lobby officiel, à la Gisa, mais côté n'y a qu'il. D'accord. Soit. À qui n'est sacré, soit à tirer une opposition, soit à qui n'est FCC. Vous voyez, parce que dans la minute sur Marambo, majorité d'abord est athée. Parce que coup conditionnel déjà à quoi il s'agit Marambo, à qui non, FCC est avec majorité, déjà à quoi il s'agit Marambo. Dans la minute où lobby n'est que plaisir vous là, je pense que dans le bar à chaque fois qu'un député doit agir en âme et en conscience. Ok. Vous voyez. Il doit agir à pur et à plein. C'est ce qui est très important. C'est-à-dire que le lobby, par exemple, on a parlé du peuple par rapport à la députée Nabisso. Nous avons tout à voir qui s'est écouté. Nous avons dit que le FCC, parce que tout le monde a FCC, parce qu'on a le président honoraire Kabila Kabang, que je répète beaucoup. Il y a aussi d'autres députés, parce qu'on a FCC. Mais il y a aussi FCC, parce qu'on a FCC, parce qu'on a Union Sacrée. Mais il y a aussi l'opposition. Entre autres, le député Martin Fayoulou. Il y a député Moussous, il y a opposition. Bazali, c'est-à-dire que le lobby, ils ont trois côtés. Donc, ils ont A, B, C. A, soit A, il y a une union sacrée. On doit déclarer qu'il y a une union sacrée. Ou ils apprennent par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Soit, OK, na opposition à Martin Fayoulou. Ou bien, OK, na FCC. Voilà, Nini Makambo ou Barossa, le lobby. Mais selon ma source concordante, ce qui a bien été. Chouane aux Ala, bah, député aux Andes à partir d'un groupe parlementaire, soit représentant groupe Bongonde, bah, ça la Chouane, ils allaient député d'une manière singulière. Bon, mais avant, parlementaire. Avant de faire un choix, il y a en tant que député. D'accord. Ça veut dire que déjà, vous êtes sur le Liango, dans le parti politique Nabino. Tout dans le regroupement politique Nabino. Maintenant, vous allez être député au Télémo Lobimbo. Il a opté pour l'Union Sacrée. Non. Tant que vous avez un regroupement politique, tout le parti politique, maintenant votre représentant, en d'autres termes, délégué, président, il y a parti politique, ce qui n'est pas député, ou encore délégué, la parti politique, tout le monde est par là. Maintenant, c'est par rapport, il y a des gens qui ont beaucoup signé, des scouillés à coller capable de représenter. Oui, Bissot, par exemple, le parti politique, INPS, Bissot, tu adhères à l'Union Sacrée. Bissot, parti politique, je ne sais pas, MS, tu adhères à l'Union Sacrée. Voilà ce qui va se passer demain. Donc, c'est bah, ils ont un président, il y a un parti politique, tout le mouvement politique, de la ressort la déclaration là. Par rapport à Baragno, Bassala qui n'a pas parti politique là-bas. D'accord, très bien. Alors, on pense que demain, nous aussi, nous serons là sur place. Na événement Rosalobi, nous serons là sur place et puis on pense que après cela on va vous balancer des éléments pour que vous compreniez tout ce qui s'est passé. Monsieur Amour, n'allez pas tout sur ma propos, ma propos ça n'a pas passé à Jean-Marc Kabounda. Rosalobi que bon, Azaleki n'a président, Bazaki président de la République, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Rosalobi n'a pas propos, il y a na cahier des charges, il y a Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Rosalobi était Bazan associé en Bokate, Bazan pour ça pas pour ma union sacrée. Bon, moi je pense que ces propos les impérabiques. Jean-Marc Kabounda devrait au moins garder ses valeurs afin que personne ne s'offusque, ce qui est très important. Il est un homme d'État. Tant que ça a une déclaration, il faut avoir un avantage, il y a des avantages dans Yango. Vous voyez? Parce que, tout à l'heure, il y a une déclaration,
on dirait qu'il est en train de pembéniser la députée à... Non, de pembéniser la députée à Ensemble, mais à MLC. Et puis, il y a un lobby qui est notre bango, qui prend la Kobo Maïnon sacré. Maintenant, il valorise le FCC. A bosinité que non, FCC, il y a un peuple à ça qui est le peuple à ça qui est le comme le FCC. Là, c'est clair. Ce qu'on dit, c'est que FCC peut être tombé. Parce que tu l'as dit, c'est quoi? Non, c'est ça. Pour ceux qui ont valorisé les lots FCC, c'est quoi? C'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as fini FCC, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que FCC. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Ce qui prend la République a sorti une décision, il y a un cas Talibala Wana, il y a un Panzalibala Wana, où ils avaient qui entre cash dans le FCC. C'est par rapport à la rétropédalage au FCC, à la qui ça. Vis-à-vis, il y a un chef de l'État. Mais ce qu'on a dit, c'est que Jamal Kaboun a remis pour valoriser ce FCC, au moins qu'il y a bien été. Or, on a répété à MLC, ensemble, ils ont beaucoup de députés, ils ont adhéré à l'Union Sacrée, c'est pour accompagner le chef de l'État. Vous-même, Olanda qui déclaration à honorable Elisar Ntamboué. On va dire non, ceux qui m'ont donné un gars qui n'a média son retour pas là, à l'obit de l'ongue, il n'y a sacré. Ou on a s'en engage chez lui. Ou on a mal au banaye, et ça m'a gagné sinaye. M'ont donné un gars qui a porté parole, il y a MLCT. M'ont donné un gars qui a porté parole, il y a Moïse Katumbi. Mais porté parole, il y a Moïse Katumbi, c'est monsieur Francis Kalombo. Et d'ailleurs, je suis Francis Kalombo, na émission à notre confrère Jean-Marc Jean-Marie Kassamba. A l'objet, on voit bien que nous, tous avons un point à Kusunga, chef de l'État avec des Liboso, na vision à l'Union Sacrée. Mais ce que Jean-Marc Kabound a méga dit qu'on mettre de côté Ensemble pour le changement, tourna MLC, il a évité de commenter là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il sait que leader, il y a Ensemble, tout leader, il y a parti politique, Ensemble pour la République, et belé baza pour la vie du chef de l'État. Alors, ceux qui le Jean-Marc Kaboun, je ne pense pas qu'il y en a une solution. Jean-Marc Kaboun, il y a président MLP, Franck Diongo, Jean-Marc Kaboun, il y a justement pour le positionnement, il souhaite confiance et pas à chef de l'État. J'ai toujours dit qu'il y a de ces gens-là qui papillonnent, cherchant. Un positionnement. D'accord. Cherchant à tisser des liens, ça et là. À l'exemple de Jean-Marc Kaboun. Bon, je n'ai pas confirmé que non, Jean-Marc Kaboun peut faire partie de la Touana. Parce que eux, ils ont globalement, la population, ils ont que Jean-Marc Kaboun a besoin de comment se positionner pour gagner confiance au chef de l'État. Oui, on a une réflexion ou encore raisonnement, il y a pas de mousse. Mais par rapport à Jean-Marc Kaboun, ils ont que ceux qui ont un positionnement, tout ce qu'on a gagné contre un chef de l'État. Moi, je pense que ça a été. Parce que ceux qui ont Jean-Marc Kaboun, ils ont confié un chef de l'État, ils ont chef de l'État, ils ont été le président AI, il y a IDPS. C'est par rapport à cette confiance que le chef de l'État avait envers M. Jean-Marc Kaboun, il a été président AI, il y a IDPS. Ceux qui ont confié, ils ont raté, M. chef de l'État, ils ont été. Donc, moi, je dirais que réflexion à l'honorable Franck Diongo, et ça peut être Nazelaté. Parce qu'il est la ministre au bras droit chef de l'État. Et ça, Jean-Marc Kaboun. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va continuer toujours avec notre émission. Okay. Tout à l'heure, maintenant là même, alors le jeudi, je parle d'aujourd'hui, il y a le député d'Ensemble, de parti cher à Moïse Katumbi, okay. Le député de MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Baza Siko, on a. Na Notre-Dame de Fatima a signé pétition contre le Premier ministre sans accord respectif. Il y a pas président, il y a pas parti de la bande. Je dirais c'est faux et archi faux parce que j'ai suivi quelques partis, je pense trois partis. Il y avait GCT, il y avait MK, il y avait aussi MLC, je pense, ADEM. D'accord. Et ça, pas président, il y a pas parti de la bande, il y a cette déclaration. Lilo, je dis, non, la nagui. Ok. Ils sont d'accord, il y a motion de censure contre le Premier ministre. Ils ont Kamba. Mais ils ont la mission sous base d'accord. C'est pourquoi lorsque vous dites que ça a été le mot boué, et c'est que beaucoup de temps, beaucoup de temps, accord ensemble, et puis ça des déclarations.
parce que ce total libyen, ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi Tchapoui. Ils ont la partie politique et belle en 4. Bah allié, mais ça est belle en 4. Mais bon, cette déclaration, les lions la moni, ils ont 3. Il y a MK, il y a G7, et il y a aussi MLC ADEM. Autre, j'ai vu M. Dédoné Balea qui a fait une déclaration. J'ai vu M. Daniel Kambale, il y a aussi M. Alexis Lengo. Il y a MLC Yaden. Baza va déléguer. Il va député au Baza l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y avait d'abord accord ou consentement. M. Souana, il y a un peu de PC Bango, Nini, aval, toute autorisation, et tout ça. Déclaration on a donc bangou déclaration on a été, c'est à dire que bangou bah yo qui d'abord avant et après bah cette déclaration on a voilà, mais c'est moi, sinon il y a d'autres non bah cette déclaration était bas aux éléments mot d'ordre, il y a pas président à bangou, voilà moi ça. Mais seulement parlons un peu de l'arrestation de Ngoui Mulunda dans la prison de Kasapa à Lubumbashi. Alors bah député Naye Baza qu'au déplorer un peu comportement il y a où est-ce qu'on s'est passé dans il y a prison à Kasapa bah bien dé bah jour l'équipe bah menacé qui même bah porte bah fumola et c'est qu'à Mulundazala qui justement pas comparaître à Samara Boutou et puis tout le monde y paie de l'autre côté bah député il y a Katanga Bazo revendiqué Brossing la libération immédiate y a Ngoui Mulunda yo moni bien. Je dénonce fortement cette déclaration des députés de l'espace Katangé. Bango bazala na pona kuluka koma ko cha kimya. Pona kuluka koma ko sala effort ya convaincre peuple congolais bazala bomoko. Mais ceux qui bakomi ko sala effort ya ko encourager le mal. Là, ça devient dangereux. Wana bakomi ko lagisa on dirait que peuple katangé aleki batunyo sur Congo na valeur. Non, ce n'est pas ça. Vous voulez me dire que les katangé sont plus que congolais que batokananga? Vous voulez me dire que les Katangais sont plus que les Congolais qui battent à Congo, qui battent à Kivu, qui battent à Équateur? Non. Tous sont Congolais. Malgré qu'ils osent diviser Bissot, osent Gablabi, c'est ma province. C'est tout à fait normal. Partout, ma province, c'est à la caca. Ce qui, le pasteur Ngoui Mulunda, sa déclaration, la toute prédication à l'église, naïe. Papa, Chadrak, osa journaliste. Je pense que autant qu'il y a une vidéo là. Maloubaya, pasteur Ngoui Mulunda, Isamabe. Ce sont des paroles incitant la population à la haine tribale. Yomoko Ebi. À la balkanisation. Oui, Yomoko Ebi, Makambo, Salamakana, 1992-1993. Et peuple Kassaïen, Nakatanga. Mais on fait des morts. Le sang veut couler. Mais la souki basse à la blanche, ça veut dire que Bazako Sala est fort pour que Makamona, ils ont la soumambo Kanabiso. Et le chef de l'État, ça a lutté contre Nayango. Ce qui n'est pas normal. Je te dis mon cher, na 1992 et 93, bah te belé bah koufa. Bah papa, bah maman, bah na bah koufa, monsieur bah bungsa bah na kona bango, bah mbongo na bango, mitu kona bango, à cause il y a refoulement là. Et puis surtout les bien tango bah benaka monsieur Ngoui Mulunda pour dire comparaître, on a parlé de justice à Lubumbashi. Mais c'est grave, na moni bah katangé, bah qui na parlé de justice bah entouré en bas zone mandi bah biba collé. Nzembe bia kolona ezanze mbanda ko matanga bana ko refouler ba peuple kasayen na katanga babana ko manzembe wana. Alors tant bazo manzembe wana et la kisi que non ils sont maintenant prêts à refaire ma bêtise, on a pas ça, j'appelle ça bêtise parce que si yo zo bengala ndekorao congolais, je ne sais pas parce que bazu ya na musala yo bazu yote, je ne sais pas parce qu'il est plus intelligent que toi, je ne sais pas parce qu'il y a ça ce qui ndenge nini. Mais au niveau de l'Inganaïte, au bout de ma les Kambouana. Et ça, moi, vous avez vu Baba Kyung a commencé. C'est parce que Baba Kyung a commencé à être à la base, il a réformé ça en 1992 et 1993. Bon, comme Asena Bolim ici, chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'Imbissa est déjà. Alors, bah, qui est mort bien que non, on ne peut pas revenir dans les travers passés. On ne peut pas fouiller dans les travers passés. À l'Imbissa, Massoum Naïwana, c'est probablement Baba Kyung a commencé à ça parmi les pionniers. Il y a Katanga ou Baza pour soutenir Vision à chef de l'État. D'accord. Vous avez vu dernièrement qu'il y a eu une déclaration pour la collecter peuple congolais qu'il y aurait des jeunes gens drogués cherchant comment déclarer les dépenses du Katanga. Les Bakata Katanga. Mais ceux qui sont députés ont une déclaration pour la co-diger libération immédiate de Pasteur Ngoui Mulunda par rapport à l'arrestation.
Nous avons vu M. Gédéon Toumbou. Il a semé la terreur. Nagan Katanga. Avec ses acolytes Bakata Katanga. Mais cette milice tue la population katangaise. Quand on a dit que les députés sont monnaies. Et c'est pas ça la déclaration. Mais ils font des déclarations à cause de la bêtise au pasteur Mounou Salaki. Ce qui n'est pas normal. Et chose grave, ils ont une église où ils ont brandir un drapeau soi-disant à Katanga. Ce n'est pas normal. Or, chef de l'État, ils ont lutté contre la balkanisation, contre les antivaleurs en général. Mais ils ont aussi poussé le peuple Louchoua ou encore le peuple Katangé, Bakenel en Anglais. Moi, je pense qu'ils ont idée à Malamouté. J'ai suivi même l'un des cadres de CCI, il y a d'un parti chez Lambert Mende au Malanga. Oui, il a dénoncé aussi. Au lieu de chercher comment remettre Kimia, Nakatanga pour te. Pardon. Est-ce que la famille élargie na yo? Par exemple, ça Mouyaka. Est-ce que la famille élargie na yo? Binyo se bozala ka kabaka. On pose la question et répondre. Je ne pense pas que binyo se bozala ka kabaka parce que moi ça na so balé lelo mouba. Obotibana. Bala ba 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 la 50%. 50% luba, 50% yaka. Sur le Bali, nous sommes à l'île. Nous sommes à l'île. 50% nous sommes à 50% nous sommes à l'île. Si nous vivons à Katanga, et que nous sommes à Katangé, na Bali, nous sommes à Botibana. Nous se fructifier ainsi de suite. Ce qui est à Katangé, nous sommes obligés, nous sommes exigés, départ, y a Baluba. Donc, c'est-à-dire que nous sommes à l'île, nous sommes à l'île, nous ainsi de suite. Bazan Matila et Baluba. Il faut qu'il y ait un bambou. Vous voyez déjà que en voulant faire ces trucs-là, ils ont déjà qu'on s'entretuer. Et ça, madame, vous êtes. Ce qui va t'indiquer réflexion de bambou moussika, bambou n'a été marambou à salaman les amabé. Les amabé. Ce qui va se dire que n'a pas c'est quoi Babala et Baluba, ainsi de suite, bambou c'est. Il faut attendre. Ce qui n'est pas normal. Donc il faut dénoncer cela avec la dernière région. Bazota le porte le monde. Alors, Balingibayeba, parce que c'était une question qui m'avait été posée depuis le matin. Dans une question on a posé yo. Au moment où tout le monde a Ngoyi Kasanji Azala, plutôt Ngoyi, excusez. Ngoyi Kasanji, voilà. Azala quitté. Par conséquence, négative mini aux populations katangaise dont au monde, selon ma conséquence. Pour moi, Bamona Ngoyi Mouna Azala quitté. Quelles seront les conséquences? Bon, moi je pense que conséquences c'est que vous avez mis la population T, mais conséquences c'est que vous avez mis la justice Nabiso. Parce que la justice est censée de mettre de l'ordre. D'accord. La justice est censée y a que juger Moutou na Moutou selon Mbebanaye. Voyez ça. Ce qui passe dans le monde, c'est que la justice est quoi quitter. Mais ce que ça va être B, il faut se la condamner. Parce que la justice n'est pas appelé à être discriminé. Non. Magamba pratique, il y a discrimination, il y a des partis pris, la justice. Je ne pense pas. Oh, ce qui est justice, et comme il n'a pas un champ, ce monde n'est pas là. Voilà, justice, et on a son indépendance. Voilà, tu as crédibilité, justice, d'où justice, il faut, et ça, la moussala, il y a un gros commissaire. Et puis, question, il faut que vous vous posez, est-ce que pasteur Mulunda Ngoyi, la déclaration on a assala qui yango selon consentement naie ou bien et ça la tout haut basa pour tirer les ficelles derrière là, c'est à dire on peut dire il était instrumentalisé. Je ne peux pas confirmer cela, mais c'est une question que je me pose aussi parce que la déclaration n'est rien, jamais couteau rose à la moko. Je ne pense pas soit c'est ça la bateau basa c'est manaie basa tu me gagne le gars là y'a pasteur basa tu me gagne salabou même bas jeune et bas qui on va nous dénoncer. Je ne pense pas soit il y a des gens au bazar sima y a batouana y a un bazar tindika bango bo bazar makambona. Ce qu'il faut dénoncer, voilà Moza. Très bien, monsieur Mou, on va aussi parler de Covid-19. Alors on a vu depuis un certain moment il y avait fermeture des écoles, des universités, etc. suite à la maladie.
mais bana baza déjà en retard depuis un certain moment, tout ça baza manque de notion depuis un certain moment. Est-ce que va continuer toujours boyer? Pourquoi pas tout ça le coup là la France, parce que vraiment couvre-feu aux bananes à 6h à 18h. Alors pendant la journée, on sort à jouer les classes, à jouer les universités. Pourquoi pas tout ça même mais tout le monde sont en boucle la mission pour que bana bénéficie un peu d'un reste ces programmes au Tigali Batikane. Bon, ce qu'il faut retenir d'abord pour le moment est que vous devez savoir que la COVID-19 est en train de se profiler à l'horizon. Comme vous le savez vous-même, il y a des gens, confient déjà la COVID-19. Bon, qui déjà na Léopard, la mise au joueur, na Cameroun, Kuna. Il y a d'autres déjà testés positifs. C'est pour dire que coronavirus. Voilà. C'est pour dire que coronavirus, ils ont un solo, ils ont un ango. Mais il faut juste respecter la barrière. Et mesure barrière. Geste barrière ou président plutôt le docteur Ngoïmoulou Ndarobaki, c'est ce qui est très important. Mais ceux qui ont commis COVID-19, ils ont à la caba étudiants, n'a pas élève, alors que n'a marché n'a pas Wenze, batobazo Koutana. D'ailleurs, les gens s'engouffrent au marché à la plénière. Batobazo, bah député, vous avez plus de 400 députés, basakuna dans deux églises. D'abord, merci beaucoup à mon pasteur Baruti Kasongo qui a SMP de maître de l'ordre. Dans l'église, parce que moi je suis de Baruti Kasongo, voilà. Dans l'église, avant au Kota, il faut masque. Il faut tirer masque na yo kangango sans problème, comme il se doit. Et puis au côté de l'église. Alors, ceux qui ont l'église de l'eau, ils ont respecté ma mesure barrière, voilà. Ma geste barrière, voilà. Et que le peuple va marcher, va se respecter ma camboana. Je pense que les étudiants, les élèves, sont capables de respecter. Parce que tant que ça qui reprise des cours avant clôture de l'année académique, je pense que l'école est belle, elle va cacher. Et puis avant, l'élève va étudier, elle va cacher. Et puis maintenant, elle va tester. Bango. Je pense qu'il y a des spéculations de part et d'autre que le 25 il y aura rentrée académique scolaire. Je n'ai pas vu une déclaration officielle. D'accord. Même le ministre Jouino Makelele n'a rien fait comme déclaration par rapport à rentrée académique. Non. Jusque là, nous sommes en train d'attendre tout le bas, compromis nini, bakouzo entre ministre ya santé, et Teni Lungondo, de docteur Mouyembe, Nabatunaye, avec le président de la République, pour nous comment mettre les étudiants à l'aise. Vous savez, mais qui va décision qui a un chef de l'État na erreur. Il qui va étudier ce n'est pas bien. Parce que moi même qui vous étudier ça les désordres. Je dis ça ceux qui vous désordre partout, même ici il y a des universités où comment qui va l'être, il faut marcher. D'accord. Parce que bon va marcher, na ba wenze ba tozo ki ndoko somba biloko pi ba tozo ba ngoufre facilement. Na ba plénière ba on a plénière ba tozo kota. Bah député basso kota na ba église ba tozo ken na ba bar na moui ba tozo passe couvre feu on a passé 21h mais na moui na ba bar ba tozo est belé. Mais chacun se protège selon les mesures barrières au baloba qui par chef de l'État, au comprendre. Ça dit que même étudiant ou élève ça peut être capable ya ko pratiquer même geste barrière afin que ça la contaminité. Donc moi je dirais bah tika étudiant bazonga batanga parce que ils ont malam outé qui oyo Bolomoli bango na mulongo ba o boutique bango ce n'est pas parce que tout ce bango ba député parce que des plénières boutique ba tout parce ba wenzela pour les ba église pour les ba ba za pour les donc la cour le baki COVID-19 et tambola na butu na moi tambola raté. Donc je pense que idée wana les appena bien té docteur Mouyembe que ba ta la pour pas faciliter pour ba 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 pour la maladie de COVID-19. Parce qu'il y a certains pays d'Europe où déjà bazo sur la vaccin et puis la RDC pratiquement. Bon, moi je dirais pas spécifiquement car on a RDC, ils en Afrique en général. Parce qu'on a déjà bandé à partir des États-Unis. J'ai vu le président Joe Biden, il s'est fait vacciner par deux fois contre la COVID-19. Mais il faut trouver si est-ce que le vaccin on a ils ont malam tout. Parce que tout le cas, que non, il y a un vaccin, je ne sais pas, Bill Gates a produit pour faire contaminer trop d'Africains.
Non, c'est moi qui nominé parce que c'est un informaticien. Oui, non, il travaille donc en synergie avec le docteur. Avec l'OMS. Voilà, avec l'OMS, c'est l'homme d'information au Toyoka. Tenant comme Afrique, basaku famille t'es tout basaku contaminé trop t'es, c'est à dire que il faut bango pay basa la vacciner pour que basa la paix contaminée. Tu éviter, je pense que on a ni chercheur scientifique on a bien ce qu'on a étudié les camps de vaccin, mais moi je trouve pas ça bon parce que tous les gens qui s'en abusent sont beaucoup chef d'état il y a beaucoup alors bah qui s'est habillé sur un anti-Covid-19 et ça m'a cassé collé comme chef d'état là-bas qui te retient un peu vaccin ou un sauvé ça bien, tu peux utiliser en gros. Mais après ça qui valeur, on a qui si vous avez qui produit par le compatriote congolais. Voilà. Il y a une information de possession, monsieur Mour, jeune kabiliste, c'était hier, Kendek Nabimbashi, qui a rencontré Joseph Kabila, mais Joseph Kabila a boyi Koukoukanabango. Il semble que c'est l'homme d'information qui a boyi Bachinez au Sumbongo, parce que Kendek Nabimbashi a boyi pour Mme Moutoumango. Bon, moi je dirais Joseph Kabila, quand même, il n'a pas eu un conseil. D'accord. Vous voyez, il fut notre président de la République, il a fait son temps, ou si vous avez fait ce qu'il dit. Ce qui a beaucoup de bango, c'est par rapport à Yamakambazo, le Bakino Kabila. Aza derrière rétropédalage en bord en abisso. Or, peuple katangé n'a besoin de comment. C'était bien évidemment le jeune kabiliste. Oui, Koulouka comment, ko flatté, je n'étais pas pour moi en bongo. Wana n'a habité. Mais ce qui peut Kabila a bouilli, là, il a ses raisons que moi j'ignore. Voilà, moi ça. D'accord, merci à vous. Petit à petit, nous sommes en train d'arriver pratiquement à la fin, n'est-ce pas, de cette mission. On va pas se séparer sans pour autant que nous parlions de la fermeture du marché. Du marché central, au Tobinka à Zando. Maman Béli Bazolela, il y avait une nationalité de maman Mokolobaï que depuis 1974, à Tangsabane, dans mon Zando, tout ça, aller sa famille dans mon Zando. Donc, en gros, brusquement, vous avez besoin de handicapé, vous avez besoin d'une salubrité. Chaque jour, ma paix sera 300 francs pour la taxe. Et puis, Barbi, Kokamazan, au moins, dans les conflits entre Chantini Ngobila, na partenaire, naïe, je crois, différents pays. Il y a un sens où on a que, je n'ai pas qu'un marché central. Bon, décision en Anakoloba, ils ont bonne décision. Ce qui va se faire comme il se doit. Disons les gens ont des avantages, n'ont pas des avantages. Il y a des rumeurs. Au bazar, le bâtiment décision n'a pas eu un goût pour la coïn de sa chef de l'état. Parce que Zando, les gens qui ont été bêlés, parce que le bâtiment de Bazo Tang, ça va dans la banque, quand la Zandoana. Le bâtiment de Bazo Tang, Bazo Lia, chaque jour, quand la Zandoana. Alors, ce qui va délocaliser Bango. Alors, et que c'est là que la place Moussous, déjà, ils ont la préparé. Pour la tourner avec une côté Katakuma en attendant réhabiliter marché à Zandu. C'est bien de réhabiliter ce marché. J'y étais hier. Ça l'était presque partout. Ça se fait partout. Parce que là, va préparer ici comment tu sais que c'est bon. J'ai suivi l'administrateur. J'ai suivi l'administrateur, il y a marché central. Selon lui, à l'obi, déjà va préparer qui Nakalembelembe, 24 heures, côté Araï. Voilà, mais quand les gens attendent les du côté Araï, na 24, ils ont bouqué ma case. Ils ont bouqué ma case. Et en plus, déjà du côté Araï, ils ont battu déjà la cour de la Tekaka. C'est quoi, ils ont délogé la Tekaka dans le marché Araï, il y a 24, pour battre les gens, ils ont battu la cour de la Tekaka. Donc, il y a d'autres choses avant que ça l'angoisse et c'est une rapide réflexion ma case. Parce que dans la cour de la Tekaka, ceux qui ont solo, qui décision, ils ont été prises. Pour la couronne sa chef de l'État, na batu ou baté car na zandu tout ba commerçant, ils ont bien ma casse. Moi je condamne ça. Parce que la ministre ou ceux déjà les a bien. Pourquoi le ministre Gilbert Kankondé de l'Intérieur, babanaki, qu'on se tiraille par rapport à la décision ou à Argentine Ngobila, y a Okanga marché central. Voyez. Donc moi je dirais qu'il faut pas revoir les Kambouana. Ils ont Mamingi, vu que déjà ma place, ils ont préparé, mais ils ont fermé le marché. Donc je pense qu'ils ont bien été. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Malobano, ils ont abonné Yasuka. Yasuka, Koloba, peuple congolais, tous à la Uni, tous à la Bomoko, tous sont la chef de l'État, Félix Tshisekedi, Akeneliboso, accomplir, revenaille, accomplir, Makamounou, Soukakanesa, la plan de développement à Bissou. Donc merci beaucoup, Nabato, Oyo Sabalandi, Bissou.
Voilà ce que je peux dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Amo. Je te dis un grand merci pour la disponibilité. Je vois qu'il y a merci. Merci beaucoup. Quand je dis comme ça un grand merci à notre caméraman, je vois déjà Joseph Mbalandaï. Je dis comme ça un grand merci à nos partenaires qui... Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je dis comme ça un grand merci à vous tous qui nous suivez de partout. Je vois déjà notre partenaire parti de la Belgique, Monsieur Symphorien Kalala Mbalandaï. Je dis comme ça aussi un grand merci à notre caméraman, Joseph Mbalandaï. Je dis comme ça un grand merci à Papa Simon Diboulou qui ne se fatigue jamais à nous soutenir. Je dis comme ça un grand merci à Véronique Engalo depuis le Maroc. Je dis comme ça un grand merci. Vous êtes vraiment nombreux. Je dis comme ça un grand merci à Denis Tshisekedi depuis Mbanzangungu, et puis vous êtes vraiment nombreux, et puis on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Ciao.